Yes. Alors, on lui a mis sa mère, lui. Eh, salut les amis, c'est Gunty, on est de retour sur un nouveau épisode du Let's Play sur Mounted Blade Warband, Viking Conquest, Reforge Edition, le titre à rallonge. Donc là, le principe, hein, donc, bah, effectivement, j'avais arrêté donc juste avant le procès, hein, l'assemblée, qui se tenait pour... parce que je suis accusé de meurtre, du coup, c'est la merde. Du coup, bah voilà, j'ai essayé de faire des quêtes, en fait, les quêtes des rois du Danemark, donc j'ai réussi à augmenter ma réputation avec... enfin, des rois du Danemark, des lords. Donc j'ai augmenté ma réputation avec un des lords, mais malheureusement, bah, j'ai pas eu assez de quêtes des autres. Donc je pense que là bon, on va y aller pour de bon, hein. Donc le projet, par contre, bah, j'ai eu une quête donc qui m'a permis d'augmenter ma relation effectivement avec un seigneur, c'était d'aller piller un monastère. Bah, c'est le monastère de trop, parce qu'aujourd'hui, dû au traitement que j'inflige aux chrétiens, eh bien l'ensemble des factions commence petit à petit à me détester. Je commence à être haï dans tout le royaume, en fait. Donc c'est bien, mais en même temps c'est pas bien, enfin c'est drôle. Mais d'un autre côté, bah, moi je vais avoir du mal à ouvrir mes entreprises dans les autres commerces, en fait, enfin dans les autres villes, pardon. Donc là je suis dans ma petite ville d'Irlande, là, la petite ville que j'affectionne particulièrement, où bah, j'ai fait un petit refuge en hauteur. Enfin, je me suis fait une petite base sur les îles plus haut, on va voir ça tout à l'heure. Et puis bah, là, le projet, ce sera moi de me convertir au christianisme, d'aller voir les différentes factions et de payer, en fait, pour les outrages que j'ai commis, pardon, pour qu'ils m'aiment à nouveau, en fait. Pour plus que je sois haï. Et donc là, bah, voilà, il y avait un petit tournoi en Irlande, donc je vais faire ce tournoi. Et puis après, je vais me convertir au christianisme, et puis bah, voilà, je vais faire un petit tour du monde, et puis voilà, on va voir comment ça se passe. Hein. Petit tour du monde, donc, auprès des factions bah, qui me haïssent. Bah voilà, de manière à ce que... et puis je filais des thunes aussi dans les monastères, bah pour qu'on m'aime à nouveau, parce que c'est vrai que bah là ça va être très dur. Alors effectivement, sur le plan RP, c'est vrai que c'est marrant d'être haï par tout le monde, mais moi mon projet de faire une entreprise dans chaque ville, et bah ça va tomber vraiment à l'eau, donc ça fait chier, quoi. Puis surtout, j'ai regardé sur internet, il y a un mec qui a moins 100 de relations avec toutes les factions, et là du coup bah, je vais devoir payer une putain de fortune, en fait, pour faire la paix avec eux, et je tiens pas à faire ça, quoi. Donc voilà, alors ouais, c'est pas trop, c'est vrai que c'est pas trop RP, parce que ça peut être marrant d'être le païen, je suis tout seul là. Le païen détesté de tous, ça peut être drôle, mais j'ai pas regardé le nombre d'équipes là. Mais moi voilà, ça va porter préjudice aux affaires, quoi. Je vais péter son boubou, voilà. Je vais lui péter sa tête, bah voilà. Est-ce qu'il y en a un autre? Toujours lever son bouclier à la fin d'un combat comme ça, voilà, parce que des fois on se prend toujours un petit javelot perdu. Il a une lance, lui, normalement j'ai la... Ah non, j'ai une lance, moi, j'ai pas de hache avec les javelots, ça fait chier. Je vais monter sur le caillou. Donc là voilà, je faisais le petit tournoi pour me faire des sous. C'est une autre manière. Putain. Alors l'IA étant difficile, hein, c'est pour ça qu'il fait des feintes. Il fait des feintes. Oh, il fait des feintes sans arrêt, le gars. Voilà. Sur mon bouclier, je m'assure qu'il n'y a pas un javelot qui vole dans un coin. C'est bon, 4 teams de fighters, c'est parti, quoi. Hop, on est les bleus, putain, lui il a une épée, quoi, il va faire de la merde avec. Bon, on y va, hein. C'est quoi, c'est deux mecs avec des lances, putain, il y a un autre qui arrive là, faut vite que je défonce lui le plus vite possible. Voilà, merde, non. Wow. Oh putain, oh putain, oh putain. Alors y'a quoi, y'a un mec avec une lance et un mec avec l'épée. Le mec avec l'épée, je le battrai pas tout seul, je le battrai pas avec ma lance, quoi. Donc faut que je m'arrange pour qu'il se fasse buter par l'autre, par derrière. L'IA de merde. Allez, voilà, c'était lui la cible. Merde, ils sont deux là. Oh la con, oh le con. Super, il avait déjà pris un coup. Lui par contre, ouais, ça va être dur, il a la hache. Il est plus rapide que moi. Faut que je récupère alors l'épée au sol, quoi. Allez, l'épée. Je regarde... Je vois, j'ai quoi? J'ai Spears, le shield. Hop. Non, non, ouais, bon, bah vas-y, on y va. Hein. Ah! Putain! Ah merde! Ah, fait chier, putain, il m'a défoncé. Bon, vu que je suis le deuxième, j'espère que je vais pas me faire exclure du tournoi. Parfait. Deux fighters, deux combattants. Enfin, deux fighters, deux équipes. Je vois combien de thunes là, je peux pas voir. Parce que je vais pas faire, parce que là il va y avoir pas mal de tournois dans la journée. Bon, ils ont quoi comme arme, putain? Ils ont des haches. Wow, javelot, attention. Il s'est pas visé, c'est bon. Hop. Ok, putain, ils ont deux haches, quoi. Merde, oh, ça va être tendu. Allez, attaque-moi. Oh, il est trop rapide, il est plus rapide que moi. Ouais, voilà, il est plus rapide que moi. Oh, putain, bah là c'est fini. Hein. Oh putain, bah ouais, voilà, merde, bon. Je vais pas perdre mon temps là-dessus.
Bon, voilà, infini. Hein. Et c'est un des nobles qui a gagné, donc je vais quand même aller. Hop. Voilà, donc là c'est le petit banquet après le tournoi, hein, tous les gens et tout. Donc je crois que si je vais voir le boss, hein, c'est lui, il va me dire bienvenue en cette délicieuse occasion, ça va me faire plus de 5 points, mais je l'ai déjà activé précédemment, donc ça ne me fait rien. Bon, alors voilà, il y a un prêtre, hein, je vais me convertir. Voilà, les conversions au christianisme. Je lui file des PO. 1 tout 6, d'accord, ça marche. Et puis bah, on va aller voir. Bon, bah là, normalement, mes relations vont plus baisser avec les païens. Je regarde combien j'ai dessous. 7000 PO, ouais, bah ouais, hein, ça devrait le faire. Voilà, j'ai récupéré des trucs à droite à gauche. J'ai eu un nouveau casque aussi. Pendant mes petits. Du coup, j'ai fait un peu de pillage là avant le procès. Et donc, bah là, je vais aller voir les factions qui me haïssent. Et puis, je vais. Donc, eux, c'est bon. Eux, c'est bon. Eux c'est mes victimes. Non, eux c'est pas mes victimes, ils me détestent. Si je les ai pillés en plus, ouais, j'étais les pillés, donc eux c'est mes victimes, eux c'est mes victimes, eux c'est mes victimes, eux je les aime bien, ils me haïssent pas, ok. Je vais faire le tour. Donc ouais, les Écossais là ils me haïssent, donc moi c'est pas mon intérêt, donc je vais. Bah, on va aller sur le continent. Et donc voilà, on peut faire le refuge, donc ça coûte 5000 pièces d'or. Non, 2000 pièces d'or. Et puis on peut l'augmenter, donc là j'ai lancé l'amélioration, fallait 5 outils, 5 trucs de bois et 5000 pièces d'or. Donc ça va me permettre d'avoir différents services, comme notamment, je crois c'est au dernier niveau du refuge, je crois qu'il y a 3 ou 4 niveaux, on a un coffre dans lequel on peut stocker des objets. Parce que là c'était mon plan, vu que j'allais plus pouvoir être accueilli dans les ports d'Irlande et d'Angleterre, enfin de Britannie. Bah je comptais stocker mon matériel dans les coffres et puis faire le trajet jusqu'aux terres païennes pour aller vendre quoi, mais pff, ça va mettre trop de temps, donc voilà là, le projet. Là le projet, voilà, j'ai pas envie de me mettre sur la gueule avec toutes les factions. J'ai laissé, voilà, on est que 58, j'ai laissé des troupes là-bas. Donc bah là le projet, déjà je vais aller vendre mes esclaves chez les vendeurs d'esclaves là. Et puis on va aller voir pour. Je vais mettre ma clope. Et donc bah voilà, je vais aller voir un lord pour lui dire bah voilà, je m'excuse pour tout ce que j'ai commis, je veux faire la paix quoi. Donc ouais, bah, je vais me promener, leur capitale elle est là. On va y aller. Landing point on the playa, on va aller vendre mes esclaves ici. Donc entre-temps, j'ai ouvert une boutique en Norvège, mais ça je crois que je l'avais dit sur la précédente vidéo. Donc là ça me fait une, deux, trois, quatre, cinq, ça me fait 5 boutiques. Donc je tape dans les 1000, 1500 pièces d'or par semaine de bénéfices, donc c'est cool. Et puis je vais repasser au refuge pour montrer un petit peu comment ça fonctionne. De toute façon dans une semaine il est construit, donc dès qu'il sera construit je vais y aller et puis on va voir un petit peu enfin, quelles options je vais avoir quoi. Donc voilà les vendeurs d'esclaves sur ce point-là, bah, tout simplement ils nous rachètent nos esclaves, alors moins cher, hein, contrairement à ce qu'ils disent, moins cher que dans les tavernes, par contre bah, ils sont toujours là, donc c'est pour ça aussi que j'ai fait mon refuge à côté, je peux mettre pendant que je vais faire mes pillages et tout, je peux mettre à entasser des esclaves ici, et puis je vais aller les revendre là, et puis quand j'aurai plus besoin d'eux, et ben bah, j'irai les tuer en fait, parce qu'il y a notamment je crois qu'il y a une belle cotte de maille couleur bleu ciel à moitié, qui a de bonnes stats qui seraient intéressantes de récupérer en fait. Là, il est là le chef, quoi. Voilà, il y a des femmes, quoi. Il y a des femelles. Ship captain, voilà, j'ai des esclaves à vendre, voilà. Voilà, 1000 pièces, hein. Bon, bah, c'est toujours ça. Leave. Bon, et puis je vais aller dans leur capitale du slip, là. Et puis il y a là aussi, je crois, eux. Voilà, toutes les factions. Ouais, je peux pas cliquer. Voilà, avec Alcut, là, j'aurais jamais rien fait, eux, bah, ils me haïssent, quoi. Donc, voilà, je vais me mettre ici. Donc, le but, ouais, ça va être d'essayer de trouver les nobles à chaque fois, et puis, bah, de filer un billet, quoi. Et puis, je surveillais les logs pour m'assurer que bah, mes relations ne continuent pas de descendre. Il y a un château, là, mais il n'y a pas de nobles dedans. Puis quand les dommages sont trop importants, alors peut-être ça a été changé avec la mise à jour. Quand les dommages sont trop importants, et ben ils nous demandent carrément d'aller voir le roi en fait pour lui filer des thunes. Mais bon, il faut le trouver quoi. Ça c'est un petit village. Donc voilà, moi je vais juste pour ça, je pille juste Irlande parce que j'ai pas envie de me mettre dans le mal avec les autres factions. Je fais une petite save. Mon cheval, j'ai plus de cheval, il est mort. Ah non, il est là, c'est bon, j'ai peur. Putain, on va aller plus vite comme ça quand même. Ah, je l'avais enlevé pour les pillages, c'est plus RP quand même. Ah, faut que je fasse attention parce que quand j'arrive, ils peuvent me voir et puis sortir de la ville et aller me défoncer quoi. Donc bon, là, y a personne. Ouais, bah, je vais aller me balader par là, on va voir.
Tiens, bah voilà lui. Je sauvegarde hein, pour pas me faire défoncer. Je clique sur lui. Je vais être un païen méchant, mais gentil quand même, quoi. Hop, voilà. Donc, salut, je suis Jürgen. Voilà, et là, on lui fait, voilà, je veux faire la paix avec votre royaume. 810 pièces. Ouais, bon, bah, voilà. Voilà, je suis passé de moins 2 à 0. Donc là, voilà, ils ne sont plus hostiles à moi. Je vais aller voir les Écossais. Alors, c'est pas encore des Écossais, hein, parce qu'ils ont pas encore, je sais pas, il y a une différence de culture entre le royaume de Alba et le royaume d'Écosse. Tiens, bah, voilà. Ils sont, voilà, bah il y a le roi carrément. Je parie qu'il y a un tournoi vu qu'ils sont tous en train de se rendre dans la capitale. Voilà, approchez de la ville, demandez une audience. Je vais demander l'audience avec le roi. Le roi s'approche de vous. Qui a-t-il? Je suis Jürgen et je veux faire la paix avec ton royaume. 400 pièces d'or, voilà, parfait. Et là, je suis sûr qu'il y a un petit tournoi en plus. Bah ouais. Bon allez, hop, je vais faire un coup, quoi. Je vais voir. Parce que voilà, c'est toujours des sous, quoi. Des sous en plus, hein. Oh, la carte est jolie. Ouais, toutes les arènes sont différentes, hein, de chaque... Oh putain, voilà, on se fait attaquer des deux côtés. Toutes les arènes sont différentes. Faut que je récupère une épée pour augmenter mes chances de survie. Voilà. Sword. Sword, sword, sword. Voilà, merci. Je balance la lance. Voilà. Stay with me, comrades. Et puis je prends le bouclier, voilà. Là, je suis chippé, quoi. Ah. Tant que je mette dans la... On a une belle ligne là. Ça fait des belles screenshots. Et les guerriers, quoi. Bon bah voilà. Ils sont trois. Ouais, chargé du slip hein, les gars. Il est grand lui. Bon maintenant il est tout petit parce qu'il est au sol. Mais il était grand tout à l'heure. Deux teams Sea Fighters. Voilà. Ah, et puis j'ai l'épée en plus, donc là je suis bon quoi. Alors voilà la technique par exemple, ce que j'aime bien faire, voilà, je les occupe en fait, eux me tapent. Alors j'ai l'impression que c'est scripté hein, dans le sens où l'IA nous attaque nous en priorité, et puis comme ça, ça permet, je les occupe pendant que mes camarades leur tapent dessus. Voilà, je suis plus rapide que l'âge par exemple, on a tapé en même temps, mais voilà, c'est moi qui ai touché le premier quoi. Wow. Merci. Voyons les gars, vous êtes pas très efficaces hein. 3 teams de fighters, donc là si on est au milieu c'est mal barré. Bon j'ai la hache, c'est déjà ça. Super, ils s'affrontent, voilà. En gros c'était les bleus je pense qui étaient au milieu. Du coup moi je vais dire à mon collègue de rester là, on n'attaque personne. Enfin ma collègue, et puis voilà on se met bien là. Il en reste, ouais, enfin, c'était deux par team, allez c'est parti. Voilà. Bon, très bien. J'ai même pas regardé là le... D'accord. Trois équipes apparemment. We stay here. Je prends le boubou. Very good. Bon voilà, ça se passe bien quand on a l'épée, ça se passe toujours bien. Et merde, là j'ai une lance. Putain ouais. On va user une lance, donc c'est pas mieux. Allez, lui il reste plus qu'un coup, il est mort lui. Putain. Oh j'ai fait de la merde. Voilà. Yes. Non elle est pas morte. Le mec il a plus qu'un coup avant de mourir là, le gars. Voilà. Voilà. Merde. Oh, plus de vie. Bon là je suis fini. Là, je me prends un coup. Ah oh, ben voilà. Ben voilà. Ben voilà. Ben voilà. Bon ben voilà. Hein, c'est fait. Hein. J'ai perdu des thunes. Bon je regarde un petit peu s'ils ont des trucs intéressants. Et alors on s'en fout. Des petits items intéressants qui valent le coup.
87-94. Ouais, j'ai mieux en fait. Joli le bouclier. Il est tout petit en fait. Bon bah go hein. Live. Alors donc. Là je me suis mis bien. Donc avec les Écossais, les trucs là. Ça c'est le royaume de Dublin, il m'aime bien. Pays de Galles, je crois qu'il me haïsse. Ouais. Ouais. Le Brie Shinnigok. Ouais, bon, il m'aime pas non plus. West Saxe, il m'aime pas non plus. Cornumbia, c'est mes victimes. Mercia. Ah ouais, là, il y en a beaucoup, quoi. Il y en a beaucoup. Bon, bah, on y va. Du coup, bah ouais, à ce moment-là, je vais faire la tournée et puis je vais revenir au Danemark et puis on va aller pour le procès, quoi. Parce que les nobles, ils filent pas de quête, quoi. Ils font chier. Ou alors, bah voilà, c'était ce qui s'est passé. Il m'a demandé d'aller piller un monastère, donc j'ai pillé. Donc j'ai gagné beaucoup de points de relation avec lui. Mais du coup, bah ouais, ça m'a vraiment porté préjudice, quoi. Et puis du coup, je vais me reconvertir quand même au paganisme. Je crois que c'est comme ça qu'on dit en français en plus. Les païens, paganisme, je sais pas. Et puis bah voilà, hein. Northumbria, donc eux c'est des païens, normalement ils m'aiment bien, ouais, voilà, donc ça va être ces dernières factions là quoi. Allons-y. Je save, c'est parti quoi. Alors, j'ai recruté des Irlandais, je crois, ouais, voilà. Ils sont marrants les Irlandais, j'aime bien les skins. Le truc à carreaux là, c'est marrant. Je vais me brûler une clope moi, tiens. Pour changer quoi, bah ouais. Ouais, donc bon, c'est pour ça, parce que du coup les relations se détériorent tous les jours en fait. Et donc j'ai regardé sur le forum, il y avait un mec qui était à moins 100 de relations avec les factions quoi. Et du coup bah là, pour se remettre, on va dire, sur un pied d'égalité, bah faut payer 100 boules quoi. Donc c'est moyen quoi. C'est pas dans mon intérêt quoi. Quoi qu'en même temps pour le RP, c'est vrai que ça peut être drôle de tailler partout, mais bon, ça implique que je fasse des putains de trajets pour aller vendre mes pillages quoi. Mais ça m'intéresse pas vraiment. Ah, je regarde, il y a toujours pas d'inventaire. Parce que là, il y a un truc, mais en fait c'est la poubelle quoi. C'est ce que je mets là, on va le balancer à l'eau. Il y a toujours pas d'inventaire pour les bateaux, c'est dommage. On va boycotter le ferry station quoi, je vais me mettre ici. Bah mince, il me fait popper de l'autre côté. Parce que. Ouais allez. Ça fait, faut payer quoi pour prendre le ferry, tiens, mais voilà. Continue. Je save pour pas qu'il m'attaque, parce que des fois il peut me sortir des trucs. Voilà. Ah, il est hostile, mais j'ai pas l'impression qu'il m'attaque systématiquement. Alors. Voilà, je vais faire la paix, 400. Bon bah c'est bien. Voilà, j'étais à moins 4, je passe à 0, donc bon, ça va quoi. Voilà, 58 pièces. Oh, je crois que j'avais bugué. Ok, Mercia, donc Mercia c'est le Lundewick, on va aller là-bas, Lundewick. Donc en passant par. Donc ouais, West Saxe et ici. Putain, ils ont plus qu'une ville eux, en fait, ils sont dead quoi. Merde! Alors ça, depuis la mise à jour, les royaumes qui ont été détruits, eh bien, renaissent en fait, c'est sympa. Parce que du coup, voilà, ça permet de... Voilà, j'aime bien la diversité, parce que chaque fois c'est une culture différente, c'est du stuff différent, etc. Et c'est vrai que c'est un peu dommage quand les factions disparaissent. Par contre, quand c'est nous le roi et qu'on a anéanti une faction, que la faction renaît de ses cendres, eh bien, ça oblige perpétuellement en fait à aller démolir ces nouvelles factions qui renaissent, quoi. Parce qu'au final, c'est un roi, c'est un seigneur qui se déclare, bah voilà, moi en fait... Enfin, qui rompt son serment, et du coup, le château dont il possède sur vos terres, eh bien, il passe à l'adversaire, quoi. Et donc, faut aller le reprendre, le récupérer, quoi. Donc c'est chiant. Alors j'espère que c'est pas aussi bugué que sur le mode Britain Walda, parce que sur Britain Walda, même quand on avait de bonnes relations avec le seigneur en question, eh bien il se retournait quand même contre nous quoi dans ces cas-là, donc c'était un petit peu chiant. Donc Brenchinyok, ben on va y aller. Putain, ils sont en train de se faire défoncer quoi, les pauvres là. Parce que là, les pays de Galles quoi, ils ont rushé quoi. Bon, allons-y, hein, je sais. Ouais. Y a du monde là. Hop, voilà, j'appelle le garde vu que je suis banni quoi. Salut. Je vais faire la paix. 400, ouais, 490 de moins 5 à 0, d'accord. Bon, bah.
puis dès que mon refuge en haut sera EP, j'aurai normalement un petit message qui va s'afficher. Je vais faire le petit code de TP rapide et puis, puis je vais aller présenter les options. Donc Cardiff, il n'y a pas de souci. Donc là, ça va être le West Sax. Ouais. Je vais aller, on va aller là au port de Lundevik. Je regardais le moral, bon ça va, je vais pas m'arrêter, en chemin quoi. Je vois mes sous, ouais, j'étais à 7000 tout à l'heure quoi, là ça baisse quoi. Cornumbia, je vais les garder, ça va être mes petits victimes irlandaises en plus quoi, ça fait pas de mal. Hein. Ça fait, voilà, je m'attaque à l'Irlande, du Sud, c'est très bien. Partie lose one morale, overwage, on est bon. Je vais faire un petit tour ici, voir s'il y a des nobles. Leur royaume est très étendu, donc c'est vrai que ce serait dommage. Tiens, des vikings là, ils sont 13, il y a moyen d'avoir du bon stuff là. Allez, quoi. Putain, il fait. Non, c'est bon, je crois qu'il faisait nuit. Deux bateaux, ouais. Non, je voulais faire ça. Toc. Allez. Allez, je vais me mettre au milieu pour bien se faire aborder. Dans les règles de l'art, quoi. Si je mets la voile, là. D'accord. Ouais, ça fait pas gagner beaucoup de vitesse, quoi. Alors, tant qu'on se fait pas aborder, les javelots repop indéfiniment, en fait. Hein. Là, je peux tenter, par exemple. On considère qu'on a des cales dans le bateau, quoi. Donc, on a toujours... Voilà, je fais molette. Normalement, voilà, je retrouve mes javelots, quoi. Super, il a plus de bouclier lui. Ah, faut que je gère parce que mine de rien les vikings. Bon, ils sont bien équipés, ce serait. Bon ouais, ça va, on est en surnombre. Parce que je veux dire voilà, ils peuvent défoncer pas mal l'adversaire quoi. Bon bah voilà en fait. Ah, ça gueule. Bon espérons qu'il y a un petit truc de stuff sympa qui tombe quoi. Ah bah super un bateau, donc déjà ouais ça me fait 4000 boules quoi. Au moins quoi, donc c'est bien. Charveloute, 42, ouais, c'est bien. Ça, on peut pas bloquer avec. Ouais, bah allez, en récupérant, ça va faire des sous. Bah, c'est bien. C'est bien, j'ai le bateau, ça fait des sous. Je regarde les trucs, 22, 30, ouais, non, c'est du caca. C'est du caca, ce javelot. Toc. Back. Ta-ta-ta, d'accord, lui, il aime pas Egil. Hein. Ouais, bah, t'as tout mon support. Hein. Parce qu'Egil c'est un gros con. Hein. Bah je lui ai mis l'armure du Berserker parce que moi j'aime pas trop le skin. C'est moche. Hein. Enfin elle aurait pu être un peu mieux réalisée, je sais pas. Je suis pas très fan. Donc je m'étais dit, oui non, c'est voilà, Wait and Sister. Seacrew, ouais bref. Je vais aller voir s'il y a des nobles là-bas avec qui je peux faire la paix. Hein. Roman Fort, il faut que j'y aille quand j'ai 20 000 pièces d'or. Hein. Donc j'irai plus tard. Tiens bah, hop. Landing point. Voilà. Alfestan. Eh, on connaît hein, Alfestan. Dans Vikings. J'aime bien son casque. Putain, 800 pièces. Ah ouais, hein, c'est fini. Hein, j'attaque plus les monastères. Quoi. De toute façon, ça rapporte pas assez de thunes. C'est rapide, certes. Parce qu'il n'y a pas le temps sur lequel il y a pas le temps pendant lequel on reste sur le lieu quoi et au risque de se faire attraper par une armée mais quand même hein. Donc puis je vais aller à Lundevik Londres dans la précédente partie donc j'étais seigneur de Londres quoi ça me rapportait un paquet de thunes mais du coup c'est pareil ça rapporte des sous mais il faut pas mal d'unités en réserve quoi et puis on y stocke notre armée donc à la fin c'est vrai que ça fait c'est un budget quoi. Donc c'est pour ça que c'est bien avant d'avoir des entreprises dans toutes les villes. Alors bien sûr, hein, quand on fait une entreprise dans une ville, si la faction de la ville en question bah, est hostile à nous, et ben le bâtiment est sous séquestre en fait. Hein. Donc on ne peut pas, il nous rapporte plus d'argent. Donc l'intérêt c'est vraiment d'avoir un truc dans chaque ville,
Comme ça, même quand vous rejoignez une faction, eh ben, vous serez en guerre contre une ou deux autres factions. Et puis bah voilà, vous n'aurez pas l'intégralité de vos bâtiments sous séquestre, juste les bâtiments qui sont dans les royaumes hostiles. Voilà donc. Et puis oui, j'ai le West Sex aussi là. East Sex. Donc voilà. Où est-ce que je vais voilà, ben voilà, j'ai mes 4. J'en ai 4. Oui, c'est celui en Norvège, il n'est pas encore terminé, parce que c'est 2 semaines du coup. Hein. Donc voilà, les salaires de mes équipes et puis le salaire des gens que j'ai mis en garnison au refuge, en sachant que on ne paye qu'un tiers ou un quart quoi du truc. Donc c'est bien. Ouais, voilà, c'est une meuf qui veut. Je lui ai dédié ma victoire, elle veut me rencontrer. Je m'en fous pour l'instant. Alors, je suis pas sûr, hein, mais j'ai cru voir qu'ils pouvaient être enceintes dans Viking Conquest, les femmes. Donc, peut-être voir. Waouh, on se fait pas attaquer, non, c'est bon. Peut-être voir bah, si. Ouais, c'est juste un pêcheur. Peut-être voir s'il y a moyen d'avoir une descendance, quoi, ce serait marrant. Putain, il y a un noble là. Top, 40 unités il a quoi, putain le pauvre. Je peux le victimiser quoi. Mais non, je veux pas aller là, moi je vais aller de l'autre côté. Merde. Voilà, là il est... Mais non, je vais pas aller là moi. Je vais aller sur l'autre rive hein. Bah ouais, ça c'est chiant. Bah non, je vais revenir à ce moment là. Je vais me mettre ici quoi. Tant pis. Landing point, il était du bon côté lui, bon c'est pas grave, allez. Je vais faire un petit détour à pied, c'est pas bien grave. Là par exemple, voilà, je vais aller là, comme ça je vais être sûr que le landing il sera sur une bonne rive, voilà. Tac, parce que du coup voilà, j'ai mes gens du West Sex à aller voir aussi. Ça je pourrais me... enfin East Sex, mais du coup je pourrais me poser... ouais, c'est la guerre. Au pire je pourrais me poser à côté de Dunwick, c'est pas grave. Oula. Donc vous traversez, d'accord, un truc tête de bétail qui s'est pas gardé. Bah ouais, on bouffe hein les gars. Bah voilà la partie, je perds juste un point de réputation, je gagne du moral, bah c'est très bien, du coup j'ai gagné quoi? Du buff, bon c'est de la merde. Ah bon. Voilà. Alors lui par exemple il est tout seul, hein. Je peux aller le défoncer si je veux. C'est ça, il s'enfuit pas, donc ça veut dire il m'attaque pas à vue quoi. Par contre j'ai plus le droit d'aller dans les villes, c'est ça le truc en fait. Kingdom of Mercia, la paix, voilà. Puis je crois qu'il y avait un noble East Sex ici là, j'ai cru voir. Il a dû bouger. Ouais, il a dû se barrer. Je vais faire un petit dos au monastère pour voir mes relations avec les chrétiens. 6 à 8, bon bah je suis bon alors. Voilà, et puis je vais me reconvertir au paganisme quand je serai arrivé au Danemark. Dunwick, en route. Oh, ça c'est quoi ça? C'est un Danois, d'accord, oui, ils sont en guerre. Du coup là je bosse avec les Danois, mais je suis pas officiellement dans leur faction, hein. Je partage pas leurs affinités politiques. Hein. Donc les ennemis des Danois ne vont pas m'attaquer à vue. D'accord, oh là là, c'est nouveau ça, tiens. Le peuple du Kingdom Mercia ont repris les armes et ont reconquéri Stoginhanam. Je sais pas ce que c'est, mais d'accord. Stoginhanam, c'est là, d'accord. Les gens se sont sans rebeller, quoi. Je mets pause, je regarde, il y avait des bâtiments autour, on aurait dit. D'accord, ouais, ça c'est quand il y a un siège en fait. Ouais, voilà, les villes sont... il y a un siège, du coup, il y a les camps autour, quoi. C'est joli. Il n'y avait pas ça avant, je crois. Landing point. On va voir s'il y a le roi, quoi. Donc ma présente partie, ouais, j'étais seigneur de Londres. Et du coup, je travaillais avec East Anglia parce que j'aime bien la couleur, en fait. Ouais, je me base là-dessus, moi. Il n'y a personne dans la ville. Bon, bah, on va se promener, hein. Je vais voir si y a un marchand d'esclaves, parce que j'ai des vikings là. J'ai deux vikings et ça vaut cher le viking.
Ah bah oui, faut que je fasse la paire. Donc j'ai fait tous les petits bâtiments comme ça, hein, le cercle là des ours, hein, je l'ai fait, il y avait un mec à buter. J'y suis allé. Alors du coup ils sont en guerre contre les Danois, mais du coup qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils sont partis chez les Danois? Les Anglais? Ah, il y a une troupe là. Voilà, hein, je mets la main sur la souris sur le marqueur. J'ai une troupe là de. Ils sont passés il y a 8 heures de 250 mecs, donc je suis les traces, hein, je suis tombé sur quelqu'un. Oula, il y a du monde là, ils ont bifurqué. Ils sont partis à l'attaque ou quoi là? Mercia. Ah, c'était peut-être des mains du Mercia, ils vont loin. Ah bah voilà, ils sont là-bas, d'accord. Et ils sont en campagne quoi, du coup. Là on peut voir, il y a toute l'armée. Je mets la souris, le mec met accompanying Earlman machin. Donc ils sont en train de. Voilà, ils vont prendre une ville quoi. Donc je sauvegarde avant de me faire défoncer, je vais parler, je vais faire la paix. Hein? The sun greets you early in the morning. Ah oui, c'est l'été arrive en fait. Voilà, on est au 8 juin. Salut, je regarde. À chaque fois, je regarde mes petites relations avec le personnage. Hein. Donc là, je suis en normal. Mec, peace, allez, 800 boules. Putain, je suis ruiné. Bon, bah voilà, retournons au bateau. Toc. Bon, bah voilà, j'ai fait la paix quoi. Bah, je crois qu'il n'y a plus de faction. Ouais, c'est bon, hein. Bon bah ça m'aura coûté un bras ce putain de pillage de monastère quoi. Ouais c'est pas cool hein. Je me servir un coup à boire. Pop 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 pop. Voilà, je suis arrivé au bateau, je fais le petit cheat pour voir si mon refuge a été upé pour présenter un petit peu les options. Voilà. Donc le refuge, donc je disais, c'est 2000 pièces d'or de base et puis c'est 6 heures de construction. Après pour le upé, en fait, à chaque fois, il faut des. D'ailleurs, je vais aller voir pour le capitaine, il faut des outils, des trucs comme ça. Voilà, je veux dire, je vais improver, augmenter le refuge. Il me dit. D'accord, donc c'est à chaque fois pareil, c'est 5 kits à chaque fois et 5 trucs de bois. Par contre là voilà, c'est un petit peu plus dessous. On peut choisir de donner de l'argent aux soldats pour remonter le moral de l'équipe. I would like to land my ship here next to this refuge. C'est-à-dire quoi ça? To build the jetties. Ah, c'est pour faire un port, non? Qu'est-ce que c'est? D'accord, jetties, une jetée, quoi. Bon, on va voir, hein, voir ce que c'est. Hein. Donc, le principe, voilà, je peux aller au refuge hall. Oui, bah non, du coup. Enfin, le refuge, tout simplement, oui, on a différentes salles. Donc, voilà, là, c'est l'auberge. Je regarde là, normalement, j'ai un coffre, moi. Voilà, j'ai mon coffre à moi. Bah, super, il y a du matériel déjà. Je vais le prendre, je vais aller le vendre. J'ai mon coffre à moi, dans lequel je peux stocker mes matériaux. Putain, j'ai plus rien à bouffer. Bah, d'ailleurs, je voulais mettre Soapstone, parce que ça, c'est un objet de quête, en fait, quand on veut se taper des nanas. Et bah, ouais. Des fois, ils vont nous demander de ramener des objets spécifiques. Donc, ça, par exemple, ça se trouve que chez les Nordiques. Donc, j'y suis passé l'autre fois, quand j'étais en Norvège. Pour mon commerce. Du coup, j'ai ramené ça et voilà, ça va me permettre. Bah voilà, si j'ai une femelle, bah j'ai pas encore fait les quêtes comme ça pour me marier, parce que je sais pas trop encore quel est l'intérêt exact. Faudrait que je regarde sur le net. Mais voilà, il faut cumuler ce genre d'objets. Il y a le soapstone, il y a l'ambre, il y a les joyaux aussi, et puis l'ivoire. Donc ça, je vais mettre ça de côté quand je vais faire mes pillages. Comme ça, voilà, j'aurai. Donc ça, c'est ma maison. Hein, c'est du coup, c'est là où je dors. Bah je dors là, je pense. Hein, à côté du. Ah non, là, il y a un petit lit. C'est cool, qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu squattes ou quoi? Sérieux? Est-ce qu'on peut sortir dehors?
Non, on peut pas, c'est pas une porte, on peut pas sortir dehors, on peut pas se promener. On peut embaucher donc du monde, j'ai mon capitaine, je peux embaucher un prêtre païen, parce que je suis un païen. Je peux embaucher Cassius, c'est quoi ça? Bah, je vais embaucher tout le monde, parce que c'est vrai, je peux même embaucher une pute. On va prendre une jolie quand même pour les mecs. Elles sont toutes très moches en fait, hein. Bon allez hop. Un trainer, donc lui il entraîne les troupes en fait, mais je vais pas le faire dans l'immédiat parce que j'ai pas trop d'argent pour le mettre. Et puis un physicien, c'est pareil, ça, je vais pas le prendre, franchement c'est pareil, la pute j'en ai pas besoin. Butler c'est quoi? C'est le cuisinier, maintenant le cuisinier il est là. On va voir ce qu'il fait, bah vas-y hein, j'accepte. Donc ça je vais les payer toutes les semaines en fait. Ma garnison, donc je peux stocker mes troupes, je vais mettre des prisonniers. Et puis voilà, je vais faire walk around. Ça fait quoi walk around? D'accord. Ah mais c'est con, parce qu'on peut pas se promener, rentrer dans les bâtiments et en ressortir quoi. Il faut passer obligatoirement par le menu, c'est dommage. Mais voilà, ça c'est notre petite base. Donc j'ai demandé la construction d'une jetée, donc je présume que ouais, on n'est pas encore. On va voir comment ça se passe. Hein. Donc voilà. Et le prêtre, tiens, il est là. Ah non, ça c'est un des mecs, du coup ça c'est un des mecs de la garnison quoi, un Pictish Ployest. Marcus, donc ça c'est quoi? Bah ça c'est mon capitaine, ok. Je me promène. Bon, bah je peux pas, c'est dommage, on peut pas rentrer dans les bâtiments comme si... comme en vrai quoi, je veux dire. Je vais descendre. Ouais, on peut pas rentrer, bon c'est pas grave. Alors... du coup je veux voir moi les gens que j'ai embauchés là. J'ai embauché donc un mec là tout à l'heure, ça doit être lui, mais il est tout petit. Cassius, qu'est-ce qu'il fait Cassius? Ah ouais, on peut envoyer un... D'accord, donc ça c'est l'aubergiste quoi en fait. Alors, donc on peut demander une jarre de vin. Ah oui, non, ça c'est pour faire un festin avec les hommes. Ça c'est pour faire un... pour augmenter le moral en fait, tout ça. Donc voilà, ça c'est. On peut également envoyer un message à des lords et les lords qui sont dans le coin, quoi. Any news in part of world? Not so Harald of Norway, king of Norwegian, so he can marry a sitting princess. Bon voilà, on nous raconte des trucs. Je sais pas trop si c'est en rapport avec les quêtes. Dans tous les cas, une fois que j'aurai terminé la quête principale, bah, je pourrais m'engager sur d'autres quêtes et peut-être que je ferai des playthroughs là-dessus, quoi. Du coup, refuge, bah non, j'ai embauché personne d'autre. Hein, donc voilà, bah, je vais me casser. Du coup voilà, j'ai juste mis 19 mecs en fait, c'est parce que tout à l'heure j'avais des bah, j'avais mes prisonniers que j'ai vendus là en début de vidéo. Voilà. Donc voilà, je suis curieux de voir ce que ça va faire le truc du port là, bon on va voir. Rib, donc je vais aller ici parce qu'on voyage plus vite sur les côtes. Toc. Et donc j'ai fait, oui hein, j'ai fait la paix avec, oui hein, c'est bon, j'ai fait la paix avec tout le monde. Donc voilà, je vais regarder un petit peu la gueule des factions. Donc eux, les jaunes là, ils sont en train de crever là. Hein. West Saxe, c'est ça, West Saxe. Donc ils sont en train de, ils s'agrandissent, c'est bien. En Irlande, ça bouge pas trop, ça c'est stable. Ça c'est stable. Les Écossois, ça bosse bien. Northumbria est juste super grand. Pays de Galles aussi, ouais, Pays de Galles, Northumbria et le Wessex, ils sont en train de prendre du power quoi. Merde. Puis là voilà, ça a pas bougé, ils se sont pas fait attaquer Norvège, c'est bon, ils se sont pas fait prendre de ville en particulier. Oh oh merde, oh putain j'ai pas regardé. Ah putain, 51 vikings, ça va faire très mal, ça va falloir que je sois au taquet là. Oh putain ouais. J'ai pas regardé, on s'est fait du coup attaquer par putain. Ah ouais, mais mes mecs c'est des plopis, on va se faire défoncer hein. Est-ce que je peux les viser de là, quoi? Ah, je faisais la molette pour voir si j'avais moyen de choper d'autres javelots. Vas-y, hein, je vais les bombarder. Hein. Toc, molette, voilà, mes javelots. Putain, j'en ai eu un! Rendez-vous! Bon, ben voilà, on y va, hein, parce que là, faut que je sois au taquet, parce que mes mecs, ils vont pas tous se les faire. Ouais, j'arrive tel un lion dans le bateau quoi. Oh, je me fais défoncer au passage. Oh putain. C'est parfait, l'autre bateau nous attaque. L'autre bateau, ils auraient pu nous prendre de l'autre côté, on a eu de la chance. Charge everybody, hein, parce que là on va pas faire longtemps les gars. Putain. Je
torcheux là. Putain, il est vénère, le par contre. Il m'en veut. Il s'est pris un javelot dans le bras avant de rentrer passer. Le mec est en armure matelassée là, voilà, parce que. On va perdre du monde là, il y aura beaucoup de pertes. Bon, c'est bon, on est en train de. Bon, ils avaient pas mal de voilà de marins là comme ça avec le bonnet. J'ai pas vu de mec en armure de maille, donc ça va. J'ai combien eu? Ça va, j'ai eu 4 pertes, 14 blessés quoi. Ah c'est vrai, j'ai le bateau, j'ai un bateau 6 mois à vendre du coup. Tiens bah voilà, il y avait bon, par contre voilà, c'est bien, il y avait des prisonniers. Sailor, yes. Charvelout. Bien, des bonnes épées. Bah là, je vais pouvoir équiper mes PNJ comme il se doit quoi. Genre, il n'y a pas de trophée de guerre ici. Non, bon, vas-y, on va tout récupérer avec un peu de chance, il va me dire que j'ai chopé un bateau. Voilà, donc Regina, il est content de voyager avec Elgi, donc c'est bien. Ça évite les conflits. Je save, parce que voilà. 36 riders, on est combien? On est 77 là du coup. Hein. J'aimerais bien les. Allez, on va se les faire. Je save avant. Tac, je regarde les logs. Est-ce que les chasseurs d'esclaves ne m'accompagnent pas? Allez, on va se faire eux aussi là. Bah là, il y a du monde dans le bateau là. On peut pas aller plus vite, les gars. 8, c'est tout, on va pas plus vite. Bon, d'accord. Ah, c'est sympa, j'aime bien les batailles navales. Tommy, t'es nul là. Je suis vraiment trop nul. Oh, ouais. Bon, je balance le dernier, je fais molette. Hop, 4 javelots. En fait, on s'en fout, vas-y, on va tout droit là, ils vont pas nous aborder comme ça. Eh bah si. Bon. Là, ça a stoppé la vitesse. Et donc voilà, là, le bateau, il est scripté, il se remet en position automatiquement. Sur notre gueule là. Ouais, ils sont pas beaucoup. Bon bah ça va être vite réglé. Voilà. Puis là bon bah très bien, ils sont plus beaucoup. J'ai mes javelots, super. Javelot là. Putain, je suis tout seul sur mon bateau quoi. Voilà, c'est ça, on peut se barrer avec le bateau quoi. C'est ce qui va se passer d'ailleurs quoi. Voilà. Du coup, quand on se retrouve là dans une situation comme ça, c'est délicat parce que nos copains sont plus avec nous. Ouais, voilà, c'est fait. Il en reste un, c'est bon, il est mort. C'est bon, c'est gagné, d'accord. Je les voyais pas s'exciter donc ouais, très bien. Avec un peu de chance, j'ai gagné un bateau, qui sait. J'ai dû l'esclave avant là, c'est bien. Charlotte, ouais, y a du bon truc. C'est bien. Ouais, j'ai plus de place, je vais virer les trucs caca là. Le bonnet là. Voilà. J'ai plus de bouffe, putain, j'ai oublié d'acheter de la bouffe quoi. Bon voilà. Hop, allez, c'est bon. Tac. Bah c'est cool. Allez, direction. Port de Rib. Bah c'est bien.
Oh, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était des méchants. Ouais, là, c'est bon. Alors, ouais, il est toujours en train de squatter. Genre, il fait, ouais, je bosse. En fait, le mec se promène dans le quartier, quoi. Bon, très bien. Vendeur d'esclaves. Putain, il y a une pute, il n'y a pas de vendeur d'esclaves, quoi. Je vais vendre le bateau. My boats. Next ship. Voilà, c'est quoi? C'est un tout petit truc que j'avais trouvé là. 3000. Donc. 3500. Je vais réparer, voir si ça me fait plus de sous. Bah quoi, je le vendais 3500 et là je le vends 1900. Ah putain, c'était la réparation, d'accord, qui m'a coûté 3000 balles. Ok, ça marche. Non, mais je charge. Hein. C'est mort, attends. Ah ouais, d'accord. Ah non, c'est pas rentable de vendre les bateaux. Alors. Hein. Pas du tout. Hein. On la refait, quoi. Putain. Parce qu'il y avait 800 et 3500. Donc c'est 3500 la réparation et 800 la vente quand il était abîmé, quoi. Du coup, ouais, non, c'était pas rentable du tout. Bon, bah, c'est cool. Pas de vendeur de slaves, par contre, quoi. Parce que là, j'ai un paquet d'esclaves à refourguer, quoi. Un incident de frontière, on peut voir dans les logs. Ça me troll, ça prend la moitié de l'écran. Bon, c'est mieux parce qu'avant c'était un truc qui interrompait le gameplay, il fallait cliquer sur continuer pour continuer, quoi. Donc c'était juste terrible. Juste trop terrible. Hop, ouais, faut que je fasse tac, voilà. Et puis il est en train de se barrer le roi là. Non, faut que je te parle. Hein. Voilà. Donc voilà. Je relance le dialogue. Donc là, bonne relation, good relation. Ouais, mais j'ai pas assez pour qu'il puisse témoigner en ma faveur. Bon, ben voilà. Voilà, l'assemblée prendra place dans quelques jours. Je vous recommande de prendre quelques jours pour gagner de la réputation. Ok, bon, on est parti, quoi. Hop, il ne veut pas. Voilà. Si veut ship, alors next ship, voilà. Voilà, c'est ça, il vaut 800 000 et la réparation c'est 3500. Donc, ouais, c'est pas du tout rentable celle-là. Voilà. C'est pas du tout rentable de les réparer. My boat, moi je vais réparer mon bateau. Bon, ça va, il est pas trop endommagé. Bon, c'est bien ça, ouais, hein, c'est ça, j'ai pris le meilleur bois, quoi, le oak, wood. Du coup, ouais, hein, c'est. On n'a pas besoin de beaucoup là. De beaucoup le s'en occuper, quoi. J'ai que 4000, ouais, c'est ça, j'ai pas de thunes. Hein. Bon, je vais équiper mes PNJ. Leave. Tac. Donc Slovagal, elle est équipée. Egil, on va voir le stuff. Ouais, il est équipé, lui. Hein. Il a quoi, une short battle. Je vais mettre une vie. Tac. Moi, c'était surtout là les... Ouais, j'ai rechopé un autre mec aussi là dans une auberge. Je sais pas trop ce qu'il vaut. On va voir. Hein. Alors équipement, donc lui il est bon. J'avais mon ingénieur equipment, il lui manque un casque. Quick. Je lui enlève la lance, je lui mets un javelot. Toc. Toc, et j'avais Donstad. Équipement, alors ouais, je fais attention parce que les mecs peuvent se barrer si s'ils sont pas contents. Donc il faut se méfier, quoi. Ça va dépendre des actions qu'on fait, ça va dépendre des compagnons avec qui on est. Donc s'ils sont pas contents, ils peuvent choisir de se faire la malle. Moi j'ai 49, ouais, donc c'est bon. Le bouclier, je vais en mettre un peu mieux, voilà. Ok. Je vais refaire le tour de tous les trucs, quoi. Donc lui il a deux javelots, un bouclier, ok. Je leur mets pas de lance parce que c'est pour le combat monté, quoi, les lances. Mais disons que là on est pas dans Mounted Blade original et on a moins de lance, quoi. Enfin on a moins d'épée, je veux dire. Que ce que je raconte, ouais, je réfléchis en même temps, ça me réussit pas. On a moins de chevaux en fait, hein. Ça coûte cher et tout, et donc voilà, on est très souvent à pied, quoi. Très souvent à pied. Je vais regarder l'épée là, ouais, elle est bien, on peut pas bloquer, mais bon, elle a son bouclier.
Ouais, ils ont pas tous des armures de main, hein. En armure de main, j'en ai 1, 2, 3, 4. Voilà, j'en ai que 4, 5 avec, 5 avec des armures de main, et donc c'est ouais, c'est juste quoi. Je ressorte et que je re-rentre. Donc, j'ai acheté à bouffer. Alors, donc ça, c'est les matériels. Il est bien celui-là, la 46, je vais le garder, je vais le mettre de côté. Ça, c'est ma petite tonique pour rigoler. Donc voilà, je vais vendre le reste. Je vais acheter vegetables, du pain, wet, fruits, poisson. J'en ai déjà, mais il est presque terminé, donc je le vends, je reviens. On peut pas vendre et puis racheter le même produit. On lui dit bah voilà, il faut déjà consommer les produits que vous avez déjà avant de pouvoir vendre. Donc et puis du miel. Donc c'est pour ça voilà, il faut vendre et puis ressortir quoi. Parce qu'il n'y avait plus que 15 poissons dans le truc, donc ça servait à rien. Il lui reste 1400 pennings, PO, je sais pas comment on dit. Tac, je vais même reprendre un produit. Tac, voilà. 2500. Tac, bah voilà. Bon, toujours pas de, on sait jamais, hein, toujours pas de vendeur de, d'esclaves. Hein, non, bon. Je fais I, j'ai 7000, ouais, 7600 PO. Donc voilà, bon, on va attendre ici pour quelques temps et puis bon, on va voir, voir comment ça se passe quoi. Oh, bah yo, c'est dur. Brunhild a pris un niveau. Bah, l'entraînement journalier a porté ses fruits. Je me remets une petite clope. Bon bah là j'ai rien de particulier à faire. Je vais juste attendre tranquillement que le truc se fasse. Et puis du coup à l'occasion il ouais, faudrait que je chope ouais d'ailleurs tiens je vais regarder là s'il n'y a pas des. Hop. Je me remets une petite clope. Je vais regarder s'il n'y a pas des outils et du bois à récupérer pour mon refuge quand je reviendrai quoi. Parce que comme dans chaque ville et chaque village, il n'y en a pas beaucoup à chaque fois, voilà, il n'y en a pas quoi. Donc il faut les acheter quand on peut, quoi, quand on passe à côté. Il n'y avait pas un lumber machin là? Ouais, il est là-bas, le lumber camp. Ben, je vais aller au lumber camp. On va y aller et puis je vais aller acheter du... changer de place pour la save, voilà. Je vais acheter du bois là-bas. Comme ça, bah, quand je reviendrai en bateau pour ma prochaine phase de pillage, et ben, je serai équipé. Danemark et East Angle ont fait la paix, c'est bien ça. C'est cool. Hein. C'est bizarre parce que j'avais des armures avec des avec de la fourrure et je sais plus du tout où c'est quoi. Je sais plus, à moins que pareil, comme les stuff ont, comme les skins ont changé, peut-être que ça a changé quoi. J'aurais pu aller voir les deux nobles leur demander s'il y avait des missions pour moi. Voilà, 2000 PO, bah voilà mon truc, voilà Tønsberg, mon truc en Norvège, ça rapporte donc ouais, 2000 pièces d'or, c'est super. 2000 pièces d'or par semaine, c'est royal. Hein. C'est le petit matin. Alors, je voudrais acheter du bois. C'est bien 4 trucs de bois quoi. Tac. Voilà, bah voilà, ça avait arrêté de filmer, je sais pas ce qui s'est passé. Ah ouais, je crois en voulant faire une sauvegarde rapide sans faire exprès, j'ai coupé le truc. Donc bah voilà, hein, je dis tout simplement, hein, j'ai acheté mon bois et mes outils pour plus tard pour augmenter mon refuge et puis bah là je me rends à l'assemblée. Je pense qu'il faut y aller, voilà, faut y aller 2 jours. Je m'éloigne un petit peu, et puis bah voilà. Wait here for some time. Voilà. Je vais sauvegarder. Voilà. Alors je lis un petit peu quoi. Bon, ok.
Bon bah voilà, hein, là ça va prendre du temps, ça va être une session où je vais devoir lire, etc. Je vais en avoir pour quelques temps. Donc voilà, hein, je vais pas. Eh, je vais mettre un petit stuff RP quoi. Toc, tranquille. Voilà, je suis beau comme ça. Tintin, je suis tout beau. Donc là, ça va être le procès avec des enchaînements de répliques, etc. Un peu à la Dragon Age, quoi. Donc on va voir comment ça se passe, ce qui va se passer, quoi. Il y a un marchand, ouais. Il veut pas parler, le marchand. Il veut me parler, lui, ouais. Follow me, bah je te follow, du coup. Bon, bah, voilà. Voilà, les mecs s'engueulent, hein. Bon, voilà, hein, je vais pas filmer, là, ce qui se passe, parce que ça va prendre beaucoup de temps. C'est juste un procès et donc bah, on va dire le montant de l'amende va dépendre en fait des relations que j'ai avec les autres mecs. Voilà, donc je vous dis bisous, je vais faire cette longue phase de dialogue en essayant de traduire. Je vous fais des bisous et je vous dis à très très bientôt. Mon procès s'engage et puis bah, très très bientôt, un prochain épisode, on aura un fight de la mort quoi. Voilà, je vous dis à très bientôt, des bisous, ciao!